C'est ce qui est sympa, c'est surtout le contact avec les concurrents. Souvent. Parce qu'en Afrique, on les avait des fois avec nous, on avait des fois 15-16 personnes avec nous pendant 2-3 jours. Et là, c'est une certaine ambiance qui s'est créée, puis c'est sympa. Une grosse galère pour moi personnellement, c'était la seule en saison, c'était qu'on était vraiment très bien planté en Guinée, dans la boue. Et le problème pour nous en balai, on est les derniers. C'est pour tous les concurrents, il y a encore le balai derrière. S'ils ont un problème, il y a le balai derrière. Mais quand il y a le balai, il n'y a plus de balai derrière. Et souvent, tu as aussi un jour de retard. Ça veut dire le prochain véhicule qui pourrait t'aider, il se trouve déjà à 500 ou combien plusieurs centaines de kilomètres. Alors tu vois, ça prend tout de suite des autres dimensions. En plus, un camion, ça ne se sort pas si facilement qu'une voiture ou autre chose. Alors, c'est pour ça, à chaque fois, il faut vraiment faire attention, c'est ce que tu fais, pas prendre trop de risques, parce que si tu te lances dans la merde, mais des fois, ça ne s'évite pas. Alors c'était juste une histoire, j'ai dû chercher un grand tractopelle dans une mine d'or qui se trouvait loin. C'est vraiment une histoire, ça s'est bien passé, ça nous a coûté juste une journée. On a fait plein de rencontres, mais galère dans le sens, ça nous a fait beaucoup de temps. Parce que des fois, on n'était pas très zen, où on s'est fait arrêter par, tu sais, tu roules, tu as un 4x4 pick-up qui arrive, il y en a 5-6 mecs dessus, il y a la mitrailleuse sur le toit, il y a 5-6 mecs dessus. Nous, on ne voit pas si c'est vraiment des militaires ou si c'est des bandits. Hein. Je veux dire, par rapport à l'événement, tu ne vois pas la différence. Ils t'arrêtent et puis ça commence tout de suite. Il faut que tu me donnes du gasoil. Je ne peux pas te donner parce qu'on a juste ce qu'il faut pour nous, pour aller au point, la prochaine fois qu'on peut ravitailler. Ouais, mais il faut que tu me donnes. Toi, tu es quelqu'un d'ici, tu sais où tu te vois, etc. Je ne peux pas. Ouais, mais il faut me donner un pneu. Je ne peux pas donner un pneu non plus parce qu'en plus, ça ne sert à rien, tu as une voiture. Il faut nous donner des outils, etc. Et ça, c'est très agressif souvent. Et puis bon, finalement, ils se sont barrés comme ça.